Very intense, and it's very nice to be here in Cascais. For us, it's quite quick between the end of Vendée Globe, this new Bureau Vallée, the start of Europa Race, and we are very happy because the boat is okay. We start slowly with the boat to learn how is the sheet and all, and with very good ambiance in on board, with friends, with professionals of navigation, and we try to go at the north for a revival to Lisbon, and it's not the good way, but we try. It depends of the weather for that, and we have this fucking front, and we go like that, stop for all, and I think it's very interesting for us, for all, because at this time it's easy to do speed test, and for us to learn the boat, to understand what we have to do to go faster. It's very nice to be near from the other boat, and it's wonderful spectacle to arrive in 10 minutes here. Yeah. Nous sommes partis de Saint-Malo vendredi, avant le départ de la course Ocean Race Europe. C'était pas du tout sûr pour nous de pouvoir être au départ. Ça a été un combat pendant un mois parce que toute l'équipe a été renforcée et a travaillé 12 heures par jour pour pouvoir préparer ce nouveau bateau Bureau Vallée. C'était un vrai défi qu'on a relevé avec tous les sponsors et les partenaires du projet qui ont tous été très vite, qui sont tous revenus très vite dans l'aventure. Donc un grand merci à eux, un grand merci à toute l'équipe du Team Voile. C'est encore une fois, encore plus que pour le Vendée Globe ou quoi, c'est encore plus un travail d'équipe et qui s'est prolongé par un travail d'équipe sur l'eau avec une course très intense et en même temps sur laquelle on a pris le temps de découvrir le bateau, de découvrir où étaient les manœuvres. C'est très agréable de pouvoir aller se reposer en sachant qu'il y a du monde sur le pont qui fait avancer le bateau au mieux, qui contrôle. Et puis avoir des gens avec qui raconter des bêtises et rigoler pendant quelques jours comme ça, tout en allant le plus vite possible.